tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Les Folies Créatives d'Hélène. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo spéciale. J'ai reçu des cadeaux de la part de mes abonnés. Voilà, donc pour moi c'est Noël avant l'heure. Et du coup je voudrais vous montrer tout ça. Donc les colis sont juste à côté de moi. Je vais vous installer pour que vous voyez ce que j'ouvre et mes mains. Donc voilà. Je vais dire mes remerciements après. D'abord, je vous installe. À tout de suite. Donc voilà, vidéo spéciale, décor spécial, on va dire. Voilà, donc je me suis installée sur mon petit canapé que je vous ai déjà montré dans la pièce. Et donc, j'ai 3 colis à ouvrir. Mais avant, je voudrais déjà faire les premiers remerciements. Parce qu'aujourd'hui, je vais ouvrir les colis de 2 personnes qui m'ont fait des cadeaux. Mais il y en a que vous n'avez pas forcément vu parce que je n'avais pas forcément la nécessité de vous faire une vidéo. Mais je voudrais les remercier quand même. Donc la première personne, c'est ma petite Annie. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne. Elle m'a offert énormément de twin markers. Voilà, il devait y en avoir quasiment 100 dans le colis. Donc j'ai complété, j'ai pas complété ma collection, parce que compléter, ça voudrait dire qu'elle est finie. Mais j'ai agrandi ma collection. Voilà, grâce à elle, il m'en manque de moins en moins. Et du coup, je voulais vraiment la remercier encore une fois de m'avoir envoyé ce cadeau. Donc, merci ma petite Annie. Voilà, c'est vraiment très gentil à toi. Je te fais plein de bisous. Et j'ai reçu également la semaine dernière un petit cadeau, donc c'est un colis d'une famille qui m'avait déjà envoyé quelque chose. C'est la famille des Cisas, voilà. Donc moi personnellement, je discute surtout avec la maman qui s'appelle Aurore. Mais je sais qu'elle a 2 petites filles, alors j'espère pas me tromper dans la présentation, comment je dis le prénom, voilà, dans la diction. Normalement c'est Eva ou Aïva. Et Anaëlle, voilà, je sais que c'est 2 petites filles qui adorent ma chaîne, qui me suivent tous les jours. Et du coup, je voulais les remercier parce qu'elles m'ont préparé un petit colis avec plein d'amour. Je vous ai pas montré parce que c'est un peu perso, il y a des petits dessins pour moi. Il y a eu quelques petits crayons de couleur et feutres pour moi également. Et il y avait pas mal de petites choses pour mes enfants, voilà, un petit diamond painting. Ma fille, elle avait le droit à une poupée LOL. Elle ne la lâche plus depuis ce jour. Mon fils, il a eu le droit à un petit Playmobil. Enfin, voilà, ça a été vraiment fait avec le cœur. Donc, je voulais vous remercier. Merci beaucoup, les filles. Je sais que vous regardez mes vidéos, donc je vous fais plein de bisous. Voilà. Alors, donc, on va continuer. Donc là, j'ai un autre cadeau d'une petite abonnée. Je l'ai reçu quand même il y a 2 semaines, je crois, ce colis. C'est de la part de Clémentine. Alors, on va l'ouvrir ensemble. Je vous ai attendu pour l'ouvrir. C'est un cadeau défi, on va dire. Voilà. Donc, Clémentine m'a contactée par mail. Elle souhaitait m'offrir un diamond painting. Et apparemment, alors j'espère pas dire de bêtises non plus, parce que du coup, avec tout ce qui s'est passé dans ma vie depuis 15 jours, j'espère ne rien avoir oublié. Mais apparemment, il manquerait une couleur. Donc en gros, elle me lance le défi, elle m'offre la toile. Et elle me lance le défi de réaliser cette toile avec une couleur manquante. Voilà, donc voilà le petit colis, c'est magnifique. Regardez, j'ai droit à des petites plumes et tout, c'est trop beau. Une petite carte. Alors, donc, je vais vous lire la petite carte. Donc, Clémentine, elle m'écrit « Hello Hélène, je suis heureuse de pouvoir t'offrir ce DP. J'en profite pour te donner un petit stylet et une grande barquette. » Je ne sais pas si tu les as, entre parenthèses. « Ainsi que des petits sachets. » J'espère que ce petit cadeau te fait plaisir. Hâte de voir le DP terminé. Gros bisous, à bientôt, Clémentine. Eh bien, écoute, Clémentine, merci beaucoup. Ça me fait extrêmement plaisir. On en a parlé un petit peu toutes les deux. Je réaliserai ton défi avec plaisir. Mais on va attendre le mois de janvier, voire février, hein, que tout se calme. Mais il n'y a pas de souci. Alors déjà, j'adore. Voilà, c'est trop mignon. C'est trop, trop, trop mignon. Donc du coup, tu m'as mis pas mal de petits sachets. C'est super gentil. Alors, oh, les plumes, elles sont trop belles, j'adore. Une grande barquette. Alors oui, des grandes barquettes comme ça, j'en ai, mais c'est pas grave. C'est le geste qui compte. Donc voilà, j'ai le droit à une grande barquette comme ça. Un petit stylet. Oh, c'est trop mimi, j'en ai pas des comme ça, je crois. Tout est bien emballé en plus.
Voilà, non, là, les emballages, je vais les mettre par terre. Donc, j'ai le droit à un petit stylet comme ça. Il est magnifique. Magnifique. Je m'en suis jamais servi de cela. Donc, je testerai avec plaisir. Et du coup, le DP. Je garde mes plumes. Hein. Ah non! J'ai dit que je l'ai gardé. Hop, je décale le colis. Donc, on va regarder ensemble la toile qu'elle m'a envoyée. Alors. Je vais décaler tout ça pour rien mettre par terre. Alors. Donc déjà, c'est un papier un papier blanc. Donc vous ne verrez pas le modèle. Moi, je le vois là. D'accord. À travers, non, vous n'allez rien voir. Donc c'est une toile en 30 par 40. Ah, bah, il y a la photo là. Je vais pouvoir vous montrer. Donc c'est en diamant rond et voilà, c'est ça. Apparemment, il manque la couleur 169. Donc c'est un gris et il manque un sachet d'une autre couleur apparemment. Bon, je verrai ça quand je ferai le défi, on fera le point. Pour le moment, c'est pas le défi qui compte, c'est vraiment le cadeau. Donc voilà, regardez la petite toile, comment elle est mimi qu'elle m'a envoyée. J'adore, franchement j'adore. Donc merci beaucoup à toi Clémentine. Je regarde, ouais, elle va être super sympa. Avec ma lumière, j'arrive à voir, vous voyez rien du tout, mais j'arrive à voir la toile. Bah merci beaucoup Clémentine. Je vais pas commencer à tout parler, tout préparer aujourd'hui. Je ferai une vidéo spéciale quand je commencerai cette toile. Et faudrait que j'analyse avant donc le petit défi que tu m'avais lancé, mais je le relève avec plaisir. Donc merci beaucoup Clémentine, ça me fait extrêmement plaisir. Je t'envoie des bisous. Voilà. Et alors du coup, on va passer à la dernière personne qui m'envoie des cadeaux, mais alors lui, c'est un fou furieux. Attention, c'est mon petit Gauthier. Alors, il m'a pas non seulement envoyé un colis, déjà qui est balèze, mais il m'en a envoyé deux. Voilà. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer. Ce que je sais, c'est qu'il m'a également envoyé ses twin markers parce qu'il ne s'en sert pas. Donc, je sais que là-dedans, il y a des twin markers. Je sais également qu'au vu de son travail, il m'a fait des petits cadeaux perso pour moi et mes enfants. Et je sais très bien que sa maman en a rajouté. Et merci beaucoup, franchement, c'est très gentil à vous deux J'ai suivi les péripéties un petit peu de ces colis parce que du coup, avec Gauthier, on se parle en privé. Et du coup, voilà, ils ont eu des petites mésaventures avec ces colis. Donc, merci beaucoup à vous deux. C'est vraiment adorable. Et je ne vais pas arrêter de vous remercier le long de la vidéo. Hein. Ça, là-dessus, comptez sur moi. Donc, je vais ouvrir le premier. Hop, je suis désolée si vous avez emballé ça avec soin, mais vraiment, il faut direct. Les étiquettes, je les vire. Voilà. Alors, du coup. Voilà. Je vais retirer le scotch et dès qu'il est ouvert, je vous reprends tout de suite. Voilà, donc j'ai juste ouvert le colis, j'en ai profité pour ouvrir le deuxième pour qu'on soit tranquille juste après. Et puis j'ai vu que sur le dessus, il y avait mon adresse parce que c'était envoyé par Mondial Relais. Donc voilà, j'ai juste retiré ça. Mais sinon, on va tout découvrir ensemble. Donc, Gauthier, c'est un amour, il est vraiment très gentil. Je ne sais pas si je peux dire où il travaille, mais je sais que j'adore son métier. Et sa maman, elle a été vraiment au top. Alors, j'espère ne pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il m'a dit que sa maman s'appelait Juliette. Donc, je vous remercie d'avance. Merci Juliette et merci Gauthier. Voilà, donc, j'ouvre le colis. Alors. Ah bah c'est un petit mot de la maman justement. Donc c'est la maman qui me dit que voilà, Gauthier il va rigoler parce qu'il se sent un petit peu bagarré parce que Gauthier n'avait pas vu le colis assez grand. Donc du coup c'est pour ça que j'ai deux colis. Donc du coup elle m'explique que voilà, elle m'enverra la suite dans un deuxième colis. Donc c'est vraiment très gentil. Merci beaucoup madame. C'est vraiment top. Donc effectivement, oui, il y a pas mal de. Oui, il y a pas mal de twin markers, comme vous pouvez voir.
Donc, c'est cool parce que du coup, alors il me semble qu'il m'avait envoyé les photos, ça ne complétera pas ma collection, mais ça me fera des doubles parce que là, en ce moment, je m'en sers énormément de mes twin markers. Et du coup, je pense qu'il y en a qui vont se vider assez rapidement. Donc, quand j'en aurai des vides, eh bien, ça me permettra de changer avec cela. Donc, merci beaucoup, Gauthier. Oh, mais combien il y en a là-dedans? Ah, attendez, j'ai pas prévu, j'ai pas de boîte pour transvider, pour voir dans le fond. J'ai pas un tiroir vide, là je suis à côté de mon bureau, mais non, mes tiroirs ils sont pleins. Comment je vais faire? Alors je vais essayer de sans tout faire tomber. Je vois qu'il y a une énorme boîte là. Oh, je vais tomber. Hein. Voilà. Ah ouais! Oh, mais tu es fou, Gauthier, de m'avoir donné tout ça. Oh là, ben moi je vais en faire bon usage, hein, t'inquiète pas. Hein. Je sais qu'il voulait pas. Ils voulaient pas les vendre une misère pour que les gens les revendent derrière ou que les gens ne profitent pas de ce genre de feutre. Donc tu peux être sûr qu'avec moi, ils seront bien utilisés. Oh, je vais en avoir partout. Tu m'en avais pas montré autant. Je pensais pas en avoir autant. Alors regardez-moi ça. Un magnifique rack. Donc celui-ci, ça doit être un rack de 60. Je pense, 2, 4, 6, 8, 10, exactement. Donc là, on en a 60. Ensuite, on a d'autres racks juste ici. Ah oui, alors ça, c'est les racks vides que tu m'avais dit. Alors ça, c'est pareil, ça ne va pas être de trop. Hein. Parce que quand je vois que j'en ai imprimé sur mon imprimante et qu'il m'en manque encore et encore et encore, je vais m'en servir aussi à bon escient. Voilà, donc vous voyez, c'est les racks... les racks de chez Action qui sont vendus avec les feutres normalement. Que certaines personnes se permettent de vendre les 4 comme ça à 20 euros sur Vinted, par exemple. Eh bien non, il n'y a pas que des gens mauvais. Il y a aussi des gens hyper généreux comme Gauthier qui, voilà, qui m'en fait cadeau parce que j'en ai vraiment l'utilité. Et du coup, t'es un amour, Gauthier. Et un amour. Et en plus, vous avez pris le temps d'emballer, d'emballer tous les racks et tout. C'est hyper gentil. Bah, tout est arrivé en très bon état, hein. Madame Juliette. Hop, donc voilà. Donc, du coup, ça m'en fait 4. Et il y en a encore un juste ici. Voilà, donc j'ai le droit à 5 racks. Hop, je vous le montre à l'endroit, c'est mieux. Et du coup, encore plein de twin markers. C'est trop cool. Je vais passer mon dimanche à tout trier, à tout ranger. Ça va être trop bien. J'adore faire ça. Voilà. Donc, merci beaucoup, mon petit Gauthier. C'est très gentil, mais ce n'est pas fini. On va passer donc au deuxième colis. Et alors là, c'est des choses un petit peu plus personnelles. Donc, je ne sais pas si je vais pouvoir tout vous montrer, mais je vais essayer dans la mesure du possible. Voilà. Donc, tout est bien protégé, encore une fois. Donc, oh, c'est trop chou! Oh, j'adore les colis surprises comme ça. Oh, regardez-moi ça. Oh, c'est top. J'adore. Franchement, j'adore. Alors, en plus, tout est emballé dans des papiers cadeaux. Non, mais oh, c'est trop mignon. Merci beaucoup. Franchement, c'est trop chou, quoi. Oh là là. Alors, celui-ci, je sais que je peux l'ouvrir, je pense, vu la forme. Oh, c'est un cadeau qui me plaît énormément et qui va me toucher. Je referme, mais je rouvrirai. Hein. Voilà, donc ça, c'est un... Je pense que c'est un cadeau que... Voilà, il s'est vendu à Mimo, Gauthier, et je pense savoir ce que c'est. Et ça va me faire trop plaisir. Ah, je mets des paillettes partout. Oh, oh, trop bien. En plus, je l'ai en exclusivité parce que je ne sais même pas s'il est déjà sorti. C'est le Twisted Tales de Réponse. Donc, je ne sais pas à quelle date officielle il est sorti. Mais je sais que soit c'était il y a très peu de temps, soit il n'est pas encore sorti. Donc, merci, merci, merci. Gauthier, franchement, celui-ci, tu vois, j'ai pas encore... eu le temps de me mettre le nez dans les autres que j'ai, mais alors celui-ci il va passer en priorité directe. Et je pense que je l'emmènerai, je vais certainement partir en vacances au ski au mois de janvier et je serai plus posée, je l'emmènerai là-bas et je vais le dévorer. Oh, merci, c'est trop gentil. Donc pour ceux qui ne connaissent pas donc les livres Twisted Tales de Liz Braswell, en fait c'est tout simplement des histoires donc Disney
mais avec une autre fin, une autre version. Au début, on a la même version que le dessin animé, et après, il y a une situation qui fait que tout va basculer. Et donc, pour réponse, c'est « Et si la mère de réponse avait bu la potion de la mauvaise fleur ?» Bah, dis donc. Oh là là. Je suis trop contente. Donc, celui-ci, le titre, c'est « Où est la vraie vie ?» J'adore. Franchement, j'adore. Je ne sais pas si vous voulez que je vous lise le résumé. Bon, avec ma voix de canard, ça va peut-être pas être terrible. Mais merci Gauthier. Franchement, ça me touche énormément. Je suis trop contente. Tu sais que Réponse, c'est ma princesse préférée. C'est déjà mon petit Gauthier qui m'avait offert la toile de Réponse de chez Diamond Art Club. Et là, franchement, c'est encore plus personnel, je trouve, que ta toile. Donc, je me rappellerai toujours que c'est toi qui me l'as offert. Donc, bah, merci beaucoup Gauthier. Franchement... merci, 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 merci. Alors, ensuite, on va continuer. On va essayer de ne pas pleurer. Alors. Donc. Alors, le problème, c'est que je sais qu'il y a des choses pour mes enfants, mais vu que tout est emballé, je ne sais pas. Ah, bah si, tout est bien fait, voyons. Donc, voilà. Donc là, par exemple, c'est un cadeau pour ma fille. Donc, je ne vais pas l'ouvrir. Je vais laisser le plaisir aux enfants d'ouvrir. Mais par contre, je vous ferai un retour. Donc là, aujourd'hui, je vous tourne la vidéo. On est vendredi soir. Voilà, il doit être 19h, quelque chose comme ça. Je vous publierai cette vidéo que samedi ou dimanche matin, certainement. Parce que je voudrais laisser le temps à mes enfants de profiter de leurs cadeaux et de les ouvrir. Et du coup, de faire mon retour à Gauthier et donc à sa maman Juliette. Voilà, pour qu'ils passent en priorité, c'est normal. Hein. Donc, les cadeaux de mes enfants, je vous dis, je ne vais pas les ouvrir. Je préfère leur laisser le plaisir. Et je t'enverrai un petit message vocal, Gauthier, que tu pourras faire suivre à ta maman sans problème. Donc, vous voyez, en plus, ils m'ont offert des cadeaux pour mes deux loulous. Donc, franchement, merci. Merci, 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 merci. Alors, ensuite, donc, je ne sais pas ce qu'il y a d'autre. Parce que, du coup, on avait juste dit les cadeaux pour mes enfants et le livre encore, j'étais... pas trop au courant, mais vu qu'il s'est un peu vendu, j'en suis doutée. Par contre, le reste, je ne sais pas du tout ce que c'est. Il m'a dit que sa maman avait voulu rajouter des petites choses, donc on va voir ça ensemble. Alors, j'ai vraiment... on est à quoi? À 7-8 jours de Noël, j'ai vraiment l'impression d'être à Noël rien que pour moi toute seule. C'est trop cool. Puis j'adore ces confettis là, j'adore. Même si j'en fous partout, je vais galérer à la ramasser, mais c'est pas grave. Je m'en fous, j'adore. C'est trop une bonne idée quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Ah, super! Ah ouais, ce sont les cartes... Oh, super! Les cartes à gratter, donc magiques, de Princesse Disney. Et je vous avouerai que les cartes à gratter, oups, ça m'a toujours un petit peu attirée. Donc, je sais pas trop... je sais qu'il faut gratter une peinture un peu style ardoise. Mais j'en ai jamais testé. Et alors, écoutez, je vais lire derrière. 6 coloriages à gratter pour faire apparaître les héroïnes des films d'animation. Blanche-Neige, Réponse, Mulan, etc. Retrouver... calme et sérénité en plongeant dans un univers coloré et fantastique. Grâce au stylet inclus dans l'ouvrage, grattez les zones du dessin pour faire apparaître de magnifiques couleurs qui donneront vie à vos personnages. Bah écoutez, c'est top. J'ai toujours voulu tester, mais j'ai jamais pris le temps avec tous les loisirs que j'ai jamais pris le temps de tester. Alors déjà, merci Juliette, parce que déjà, c'est pile poil le thème que j'adore. Ensuite, les couleurs, elles ont l'air d'être juste magnifiques et ça va pouvoir me permettre de découvrir ce nouveau loisir. Et je pense que j'en ferai d'abord une seule pour découvrir, parce que voilà, c'est un cadeau que vous me faites à moi, donc j'ai envie de découvrir moi, et je ferai une vidéo aussi sur ma chaîne si ça peut intéresser des abonnés. Donc oui, je ferai des vidéos sur ma chaîne, hein, au moins une, et après vous me direz si ça vous plaît. Mais moi, ça me plaît énormément comme cadeau. Merci beaucoup. Merci. J'ai eu beaucoup d'émotions hier, donc là, ne me faites pas pleurer ce soir, hein. Alors, je regarde, j'adore les confettis, je fouine. Oh, j'adore, c'est une trop bonne idée, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, je pense que ça a l'air d'être tout après. Donc, on a un dernier cadeau. Et bien, écoutez, c'est déjà très bien parce que à la base, je devais juste avoir les feutres. Hein, donc,
Voilà, c'est déjà très généreux. C'est très, très bien. Alors, je vais retirer le colis pour qu'on puisse voir mieux ce dernier cadeau. Donc, je vais essayer qu'il ne se renverse pas. Alors, donc, c'est parti. Ouh là là, bah, vous voyez mon corps, hein. C'est pas une bonne idée ça par contre. Oh, merci beaucoup, c'est trop gentil. J'ai le droit à des chocolats. Oh, trop bien. Bah, je vais en prendre un petit ce soir pour mon dessert. Oh, j'adore en plus les trucs pralinés à amandes. Ou, vous savez, le... Ah bah il y en a du Jandouja. Je sais pas si vous connaissez comme chocolat. Juste ici, c'est noté. Je sais pas si vous voyez bien. C'est un chocolat... Je sais pas comment expliquer, c'est un chocolat un peu sucré mais pas trop, avec un peu de goût de noisette mais de chocolat en même temps, enfin j'adore ce chocolat. Oh, bah vous pouvez pas tomber mieux, hein. Franchement, en général je mange pas beaucoup de chocolat parce que bah vous voyez mon corps, c'est pas très recommandé pour ma corpulence, voilà. Mais bon, là c'est Noël, on peut se faire plaisir et en plus j'adore ce que vous m'avez pris. Merci, merci, merci beaucoup, franchement... Je suis comblée. Donc, je vais vous reprendre face caméra parce que du coup, vous n'avez pas pu voir mon visage pendant le déballage et je vais redire un petit merci à tout le monde. Donc, voilà, je vous retrouve face caméra. Donc, je suis vraiment très, très, très touchée. Je vais essayer de ne pas pleurer. Alors, je voudrais encore une fois remercier Annie pour ces fabuleux twin markers, voilà. Je voudrais également remercier Aurore, Eva et Anaëlle pour leurs petits colis pleins d'amour. Je voudrais également aussi remercier Clémentine pour son petit diamond painting avec son défi, donc son colis. Merci beaucoup pour ce cadeau. Et bien évidemment, Gauthier et donc sa maman, donc Juliette. Je suis vraiment très touchée. Merci. Franchement, merci beaucoup. Je suis en train de perdre mes mots. Voilà, je partage ça avec mes abonnés, mais vraiment, ça, j'ai vraiment, ça me fait vraiment plaisir de vous remercier et que vous gardiez une trace du coup de mon déballage et de ma joie parce que voilà, je voulais vraiment vous remercier. C'est vraiment... voilà. Donc, bah, écoutez, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Merci encore à tous ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes de fin d'année. J'espère que tout se passera bien pour tout le monde. Et voilà. Et je vous dis comme d'habitude, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée selon quand vous regardez ma vidéo. Et je vous dis à bientôt. Salut !